de 10 000 calories challenge, c'est la grosse merde. Hey, salut les chatons, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux. Et aujourd'hui, on va faire le 10 000 calories challenge dans 24 heures. Vous savez que j'adore manger, mais je pense jamais dans la vie j'ai mangé 10 000 calories dans 24 heures. Rien n'est préparé, j'ai aucune idée comment la journée va se dérouler. En même temps, c'est pas très compliqué. Il faut que je mange un maximum des calories pour atteindre les 10 000 calories. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je mange que les portions recommandées et c'était vraiment assez surprenant. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas tester le maximum des calories possibles. En tout cas, 10 000 calories, c'est déjà pas mal. Si tu aimes ce genre de vidéo, lâche un gros pouce de like, abonne-toi à ma chaîne pour rater aucune de mes vidéos et bien sûr, active la petite cloche pour toujours avoir une petite notification quand je mets quelque chose en ligne. Moi je m'appelle Isaac, je fais des vidéos chaque samedi. Je pense que j'ai assez parlé, maintenant je vais commencer de manger comme un œuf, bouffer comme un cochon ou manger comme Arnold Schwarzenegger dans ses meilleurs temps. Il est maintenant 9h11 et je dirais c'est parti. Comme c'est une journée spéciale, je vais rien manger de ce que j'ai à la maison. Je vais sortir et manger tout ce que mon cœur désire. Et je pense pour le petit déjeuner, je vais aller chez Tim Hortons et me chercher de petits beignes. On est arrivé. Oui, bonjour. Je voudrais un croissant du jardin, un chocolat chaud, grand, un cappuccino glacé, en grand aussi, 12 beignes, 6 pommes, après ça m'est égal, 2 galettes de pommes de terre. Bonjour. Allô? Merci, merci, merci. Merci, merci. À vous aussi. Regardez mon petit déjeuner. Je suis de retour à la maison, je fais aussi mes petites devoirs. Je me suis assis et je regarde les renseignements sur la nutrition pour être vraiment précis et je vous montre avec quoi je commence. La première chose, c'est un chocolat chaud, très très grande taille pour 480 calories. Après, j'ai un croissant avec quelques légumes, fromage. Hey, c'est pour moi. J'ai comme l'impression que là, pour l'instant, tu veux tout manger, mais que tout à l'heure, tu vas bien vouloir que je t'aide. Peut-être. 380 calories. Ça, j'adore. Terminé. Ça veut dire qu'on est déjà maintenant à 860 calories. On continue. J'ai pris des petites patates hachées, 130 calories. La deuxième. C'est quoi? Quoi? La bonne nouvelle, c'est que t'es déjà rendu avec ta deuxième petite patate à un dixième de ton challenge là. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai déjà plus faim pour absolument rien. Je pense qu'il y a Bobby qui voudrait bien t'aider. Hein, Bobby? Maintenant, on attaque les donuts. J'ai déjà des petits roux qui montent là. Ça commence pas bien. J'ai pris une boîte de 12 donuts. Oh. Je vais pas tout manger là, tout un coup, mais je pense pendant toute la journée, il faut que ça passe. Pour vous donner une idée, pour un beignet aux pommes, c'est 310 calories. Un beignet au chocolat, 210, mais le reste, je vais vous dire au fur et à mesure. Je vais commencer avec ça. Tes préférés? 310 calories. Mais ça, j'adore. Même quand on n'a pas faim, ça se mange bien, c'est ça? Et pour rendre tout ça, j'ai pris un cappuccino glacé, beaucoup de pépites de chocolat avec la bonne crème. Pour un total de 435 calories. Juste pour vous donner un exemple, un homme de ma taille, je mesure 6 pieds 2 et mon poids c'est 82 kg. Je devrais manger pendant une journée entre 2600 et 3200 calories. Là, juste avec le petit déjeuner, j'ai déjà pris la moitié de ce que je devrais manger pendant une journée. Regardez le bordel. Maintenant, je vais choisir encore un dernier truc. Un beignet au chocolat, je pense. Un truc comme ça. Cette petite chose trop délicieuse contient 200 calories. Regardez, c'est doux, moelleux, chocolaté, sucré. Et un cauchemar pour moi parce que je peux vous dire, j'en peux plus. Est-ce que tu veux savoir à combien de calories t'es rendu si tu termines ton beignet et ton cappuccino glacé? 2065 calories. Seulement? J'ai l'impression après ça, je pourrais dormir pendant toute la journée. Ça va être ton prochain défi 24 heures. Alors, regardez. Le champ de bataille. Il est maintenant 10h45 et
Je vais terminer ça et après je fais une petite sieste parce que je suis déjà crevé juste d'avoir mangé autant. Alors maintenant il est midi 28, un truc comme ça. J'ai... qu'est-ce qu'il fait? Je me suis reposé un petit peu, j'ai répondu à des emails. J'ai vraiment pas faim et je peux vous dire j'ai un peu le estomac acide. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver pour manger. Je vois mes cheveux comme ça, je sais vraiment pas quoi faire. Je devrais les couper ou les colorer. J'ai un peu peur. Les colorer? Ah oui? Je sais pas, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire. Les couper, les colorer. Je suis tellement indécis. Tu fais quoi? Je vais faire un peu de shopping. Est-ce que tu penses que quand tu vas avoir mangé tes 10 000 calories, tu vas encore rentrer dans tes vêtements? Ouais, je veux pas y penser. Je pourrais tout prendre en XXL. Ah ah. Comme pour ta vidéo. Exact. Carl est en train d'acheter quelque chose là, des casseroles comme ça. Oh, j'ai tellement pas envie de manger. On a fait un peu de shopping et Isaac est allé se chercher un petit truc pour IW. Il est en train de commander là, juste là. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il va prendre parce qu'il m'a dit qu'il avait pas très faim. On va découvrir ça ensemble. Ok, on a fait un peu de shopping. On a acheté une petite surprise chez Apple. Et maintenant, je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. Pour commencer, j'ai pris un petit burger végé. C'est un de mes burgers préférés. Combien de calories? Attends, je vérifie. 500 calories pour le Beyond Meat. Ah oui? Uh-huh. On va ajouter ça au compteur. Mais il est trop bon. Après, pour rincer tout ça, j'ai pris un moyen jus d'orange. Ça va être vraiment calorique, je pense. Hein? 270 calories pour le jus d'orange. Ok. Pour continuer, j'ai pris des rondelles d'oignon très croustillantes. Oh, tu veux savoir c'est combien de calories de rondelles d'oignon? Ça sent comme si j'ai gagné au checkpoint. C'est combien? Ouais, 520 calories. Non. Ça, c'est génial. C'est plus que le burger. Pourtant, attendez. Tout ça ici, qui est vraiment peu, c'est... 520 calories. Un truc de haut. C'est énorme. En fait, t'as pris la même chose pour moi, mais moi, je fais pas le challenge aujourd'hui. Après, j'ai pris du ketchup. Je vais être très généreux aujourd'hui et dire c'est cadeau. Je vais même pas le compter. C'est combien ça? C'est pas écrit dessus. Et pour tipper les oignons dedans, j'ai pris la mayo chipotle. Regardez comme c'est crémeux. Ça goûte tellement bon. C'est quoi? Combien tu penses? 150, je dirais, pour ça. Non, 320. Non. C'est pas possible. Pour cette mini quantité là, 320 calories. Mais ça, aye, c'est bien. Ça, ça fait monter le compteur, hein, comme on dit. C'est ça. Mmh. La mayo chipotle là est tellement épicée, ça brûle la langue. Ah ouais? Je dois vous dire honnêtement, je suis ultra surpris que cette petite sauce là ici est ultra calorique. Si tu fais un régime, tu devrais pas manger ça, hein? Est-ce que tu veux savoir c'est quoi le total de calories pour ton lunch? Je pense que tu vas être déçu. 1610. Ah oui? Ouais, ça fait pas beaucoup, hein? En même temps, juste pour vous dire, je n'étais vraiment pas affamé là. Mais il faut manger, c'est le challenge. J'en peux plus. Tout le plateau est terminé et c'est quoi le total maintenant? On va l'afficher ici, mais je peux vous dire, après moi, je arrêterai de manger pour toute la journée, je pense, aujourd'hui. J'ai vraiment aucune idée comment je vais terminer ce challenge aujourd'hui. Il est maintenant 15h24, on est de retour à la maison. Oh, j'en peux plus, j'ai le ventre tellement rempli. Hey Bobby, tu veux faire un petit coucou? Coucou! Léo est là derrière et j'ai l'impression que j'ai tellement mangé. Je vais aller maintenant au sport et m'entraîner un petit peu pour perdre ces calories de ouf. Tu viens avec moi Bobby? Non, tu restes à la maison. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce que tu le sens bien ces 10 000 calories? Demande-moi plutôt, est-ce que tu veux t'entraîner toute la journée ou est-ce que tu veux manger toute la journée? Et la réponse? Je m'entraîne plutôt. Plus fort! Yeah! On s'est entraîné pendant 45 minutes et je suis crevé et en plus j'avais envie de vomir tout le temps parce que j'ai l'impression que j'ai une boule au ventre. Maintenant je vais boire mon petit shake. En fait c'est un très grand shake. J'ai vu que tout ça c'est seulement 100 calories. C'est comme si tu perds au loto ou au casino ou quelque chose comme ça. Alors je vais boire tout ça. Toi, tu te sens comment? Moi, ça va, j'ai encore faim, mais je peux imaginer que toi, t'en peux plus, là. 100 calories, pardon, dans la gagnotte. Comme on est déjà sorti et comme on est déjà dans la voiture, on a décidé de tout de suite aller chez McDo. Oh god, je sais pas comment je vais faire. En tout cas, je me demande vraiment comment les autres YouTubers ont fait parce que, limite, c'est impossible de bouffer 10 000 calories par jour. Moi, je explose si je pense juste à mon menu de McDo. Merci beaucoup. On commence avec la poutine. Ok, alors dis-moi combien de calories j'ai dans ça. On est sur le site de McDo Canada et pour une poutine, tu as 510 calories. Mmh.
Ça, c'est pas mal. Ouais, pas mal. T'en as pris deux? Ça veut dire 1020 calories. Ça, c'est bien. Ça fait monter ton compteur. Maintenant, il faut que je mange. Première poutine, done. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est très, très rouge et ça sent super fruité. Ça s'appelle le Fruitopia à la fraise aux fruits de la passion. Et ça, c'est quand même dingue. Hein? Sur le site, c'est plus calorique qu'un Coca-Cola. Tu peux t'imaginer? Ah, c'est ouais? 350 calories. J'espère au moins que c'est bon, hein, parce que c'est vrai que ça sent sucré. Je te laisserai goûter, mais je peux pas. Je perds trop de calories. Deuxième poutine. Deuxième poutine, vide aussi. Ciao, ciao. Maintenant, en plus, j'aime pas trop ça. C'est vrai? Non. Moi, j'aime bien les choses sans pommes en plus. Pour cette merveille, on a combien? 270 calories. C'est très sec. Ah. Mais prends une petite gorgée, ça va se faire du bien, ça va passer mieux. Mm-hmm. Et c'est ton lait au chocolat, non? Ah, c'est ça que j'aime? Oui! Je peux vous dire déjà, faites pas ça à la maison, ça sert à absolument rien. Vous allez vous rendre malade. Et je me demande pourquoi j'ai fait ça moi-même. Honnêtement, ça m'écœure un peu de te voir manger autant. J'ai mal au ventre pour toi. Je voulais savoir comment c'est possible que tous les autres YouTubers le font et ils arrivent. Je comprends pas. C'est impossible de bouffer autant. Mettez dans les commentaires à quel moment vous aurez été écœuré de manger. Faites numéro 1. J'en veux plus. Regarde, j'arrive même pas à avaler en fait. Ok, je vous fais un petit update. C'est ça le jus que j'ai bu. Il me reste une chanson en pomme. Le truc au chocolat là, j'ai même pas encore goûté. Et le flurry avec des rises. Mais je prends une petite bougie. Mais je dois vous dire aussi honnêtement, je arrive plus du tout à manger quelque chose. Mais il y a tellement de chocolat et de crème dans ce truc. C'est ultra écœurant. Le 10 000 calories challenge, c'est la grosse merde. Il est maintenant 19h. J'ai encore un peu plus que 12 heures devant moi. Je peux vous dire aussi, je vais me bagarrer pour réussir ça parce que à la base, c'était une test. Si c'est possible de manger ça ou pas. Et pour le moment, je pense pas que je vais être capable. Ce serait un peu con aussi que tu sois malade. Hein? Je pense que t'es mieux de prendre une pause et voir si t'es capable de manger plus tout à l'heure. Je vous dis vraiment honnêtement, c'est horrible et j'ai aucune idée comment c'est possible de manger autant de calories dans une journée. Ça, c'est clair. Ok, on est rentré à la maison, il est maintenant 20h30, un truc comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter de plus rien manger pour ce soir. Je suis super mal au ventre, j'ai mal à la tête. Et je sais pas qu'est-ce que je peux faire demain matin, mais là j'ai décidé de donner une petite pause à mon corps. Et voilà, je vais me coucher, je vais regarder un petit peu de choses sur Netflix. Mais je vais définitivement absolument rien manger parce que je sens que j'ai atteint mon limite. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire demain matin. On est le lendemain et le 8h45, j'ai super mal dormi, j'avais mal au ventre, mon ventre gargouillait tout le temps et j'ai plus rien mangé. Là j'ai pris un petit beignet, j'ai aucun faim, ça me fait absolument pas de plaisir de manger ça. Si je me fiais à mon calcul, j'ai mangé 5200 calories, ça veut dire que j'ai mangé un peu plus que la moitié de mon défi de 10 000 calories challenge. J'ai aucune idée comment les gens font, vraiment pas. Chapeau pour eux qui font ça sans tricher. Vous me connaissez, normalement j'ai vraiment un super grand appétit. Mais là j'ai vraiment eu mes limites et après moi j'ai quand même mangé énormément de choses hier. Et c'est, je pense, vraiment pas du tout bien pour ton corps. Je vais me reposer aussi un petit peu. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour un autre 24 heures. Ici tu vois les vidéos que j'ai fait dans les dernières semaines. Je me suis beaucoup amusé. Nous on se voit la semaine prochaine et oubliez pas, il faut pas rester sage. Bisous. Je pense que je vais rester à l'eau aujourd'hui.